White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight, 'cause in the pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man. C'est bon, tout est réglé. On est pas mal. Alors Christopher, on précise les choses, il est environ 8h du matin, hein, on est samedi, on est bien. Il y a quelques jours, tu as signé une petite victoire à Vincennes, donc le moral est au beau fixe. Ouais, ça revient. Après, je reste bien les pieds sur terre quand même. Parce que j'ai fait vraiment une année très 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 difficile, donc arriver première course du meeting et faire présent, c'est génial. Voilà. Alors, on est sur ta piste, hein, tout simplement. Ouais. C'est une belle piste en mâche-fer. Tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Une piste qui est assez grande. Hein. Elle est grande et large, donc c'est un avantage et un inconvénient quand même. Pour les jeunes chevaux, c'est un peu dur. Mais bon, là, tu juges vite la qualité d'un bon cheval. Là, le fait qu'on soit... On n'est pas trop à l'abri du vent. Est-ce que pour toi, c'est un problème ou pas du tout, au contraire? Ça a été un problème au début parce que c'est comme tout, faut s'habituer. Moi j'étais à Chamans, il y avait beaucoup de forêts avant et puis là je suis arrivé dans la plaine, mais pleine. La piste elle est même pas protégée, il n'y a rien, donc honnêtement on n'y pense plus. Mais des moments quand il fait moins 100 vent, ou enfin il fait moins 10 avec du vent ou moins, là t'es gelé, faut pas mentir. Mais bon, ça va, maintenant ça fait 10 ans que je loue là, donc c'est plus ça que je pense. Je pense surtout c'est qu'il ne faut pas qu'il gèle pour que je puisse trotter. Puis après, je suis à la crever. L'hiver, faut que je sorte, je peux pas aller voir au box, donc je deviens fou sans quoi. Alors justement, on est dans une région au niveau climat, c'est pas toujours facile à gérer. Quand il gèle, quand il neige, est-ce que tu as des plans B? Le plan, c'est que j'ai un stock de sel assez important. Ensuite, le maire, il déneige le village, il déneige ma piste en même temps. Bon, des fois, ça endommage. Ah, ensuite, j'ai la chance d'avoir Alain Chavatte. Pour l'instant, il est encore là. Donc, si vraiment je suis embêté, lui, il fait du très bon boulot sur sa piste. Donc, je vais chez lui trotter. On s'arrange. Que les chevaux du meeting. Hein, mais il n'y a pas une journée où la neige elle reste. Encore, s'il faut l'enlever, je l'enlèverai. Hein. Ça, c'est sûr. Alors cette piste, ça fait 10 ans que tu nous dis que tu travailles dessus, tu as évidemment tes repères. C'est quoi la méthode Christopher Nicole? Il y a plein de méthodes, parce que maintenant je me suis fait faire une ligne droite depuis 3-4 ans, parce que à Paris je me suis aperçu qu'il me manquait une crachée pour finir. Donc je me suis mis à faire comme tout le monde des intervalles, en réfléchissant un peu, parce que c'est facile de copier, mais copier bêtement, il faut apprendre. Il faut apprendre, après il faut doser surtout, parce que tu as tendance à en faire un peu trop fort, et là quand tu fais trop fort, tu as de la casse. T'as peut-être pas de la casse physique, mais intérieurement il y a beaucoup de casse. Donc ça a été une autre façon. Et après les poulains, je suis resté à la méthode Guy Verva, mais pas longtemps et bien. Et je pense que ça marche encore aujourd'hui. La preuve, dans les essais, j'en ai qualifié une bonne douzaine avec des bons chronos et cette manière-là. Donc après peut-être que je pourrais les améliorer en intervalle sur ma piste ou en intervalle sur la ligne droite, parce qu'ils n'ont pas fait de ligne droite encore. Donc il y aura toujours moyen, et la méthode de Guy Verva que j'ai appris quand j'étais môme, ça marche encore. Alors c'est quoi la méthode de Guy Verva? C'est être à l'écoute de ses chevaux? Et puis pas longtemps, et puis la méthode où je pense qu'il a appris dans le temps chez Verroken, hein, les 2002, des petits bouts, les machins, et pas les mettre dans le rouge. C'était important les poulains, pas les mettre dans le rouge. Alors, t'as une réputation d'homme chaud, on va dire, dans un peloton. Est-ce que à l'entraînement, t'es obligé de te canaliser? Non, la maison, non, mes chevaux ils sont très agréables. Alors tu vois, des fois je suis un sanguin machin, mais j'ai pas non plus. Déjà mes chevaux ils ont pas tout l'accéléré sur le dos, ils ont pas tous des lassos ou machin. Je dis pas que j'en ai pas un. La preuve, Alonso, ici on est que rien, puis il court avec un lasso en chaîne. Donc voilà, les chevaux ils se mettent la pression aussi tout seul.
Non. Après, c'est sûr que la reproche que j'entends des gens me disent, ouais, tu vois, là-bas, c'est un fou, il travaille, il gratte. C'est pas ça. C'est que oui, j'ai appris, que je me suis aperçu pour faire des jeunes chevaux, faut pas sauter de boulot. En gros, tu fais pas de poulain si demain t'as pas travaillé pendant 2 jours et puis que tu vas les reprendre. Je trouve ça. C'est des athlètes, donc pour moi, il faut un 2 ans, il doit pas sauter un boulot. C'est tout. C'est comme un gamin à l'école. S'il va apprendre à lire, c'est pas en lisant une fois tous les 15 jours. Hein. Faut qu'il lit tous les jours. Donc les chevaux, les poulains, faut pas que ça dure longtemps, mais tout le temps. Voilà, moi c'est mon truc. Alors justement, tu parles des poulains. T'as aussi cette réputation d'homme de jeunes chevaux. Ouais, j'aime bien. Bon, après, j'ai le reproche que je me suis fait cette année dans l'essai, c'est que on m'a tellement fait une mauvaise remontrance. C'est les professionnels, entraîneurs, c'est les gens. T'écoutes plein de gens, et puis à un moment, tu montes plus dans le sulky en course, parce que en course, il faut soit déléguer sa place, je dis pas à Paris, machin, les bons, mais la province, il faut en prendre un petit peu quand même toi-même. Puis après, à un moment, je me suis mis à douter de moi en disant même au qualif, je l'ai donné. Puis en fin de compte, je vois cette année, j'en ai qualifié les trois quarts moi-même. Mais au début des qualifs, je n'en ai pas passé un moi-même. Hein. Je me suis mis à les donner, et puis à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Chez ma femme qui m'a secoué un matin en me disant, mais arrête ton cinéma. Et puis, donc j'ai repris confiance en moi, et puis là, c'est reparti. Et même à la drive, en course, c'est reparti. J'ai repris mes moyens, et puis les moyens ont pris des sous. Donc, les pénalties, je dis pas, je les donne, parce que je ne veux pas les louper. Mon écurie, elle est trop en déficit pour me permettre de louper. Je me mets pas cette pression-là, voilà. Je veux pas l'avoir. Ta piste, elle a l'air d'être super souple. Ouais, non, je fais tout pour la rendre comme ça. Ça, je ne travaille pas sur le dur. Et elle est pas non plus fouillante, mais elle est souple, voilà. Après, j'ai acheté la chance que j'ai en étant sur place, c'est que le propriétaire m'a mis des tracteurs à disposition, mais j'achète le matériel nécessaire pour la rendre. Elle me coûte de l'argent, mais je veux pas envie d'avoir de la casse non plus, parce que non, j'entretiens. Honnêtement, j'entretiens. J'ai une bonne herse là, et après, dès qu'il faut quelque chose, on l'achète. Le propriétaire, même s'il faut, il me donne un coup de main, mais voilà, on est équipé pour bien travailler. On a fait différents entraîneurs. Fabrice Soulois, par exemple, il passe presque sa matinée. Il alterne entre le sulky et le tracteur. Toi aussi, tu t'attaches une importance particulière à ta piste. Ouais. Je laisse pas. Pas comme Fabrice, parce que chez Fabrice, je suis allé chez lui. Il a beaucoup de personnel, donc attention, on n'est pas dans la même structure non plus. Et très très bien installé. J'étais super bien accueilli chez lui. Mais c'est vrai que je me rappelle que à chaque lot, dès qu'on avait fini, il avait fini à l'eau, tant que ces gars ils ramènent un lot de chevaux avec le cheval à lui qui trotte, et lui, pendant ce temps-là, il avait déjà fait un aller-retour sur la piste. Et je trouve ça génial. Donc moi non, je veux pas te cacher, et je le fais tous les 3-4 lots. Il suffit que je sors un bon cheval en quatrième et là je refais la piste, ça c'est sûr. Hein. Mais normalement, si les gars ils sont intelligents, qu'ils restent bien dans le sillage des autres, la piste reste bien. Donc elle est assez grande, elle est large, hein, donc il y a moyen de faire ça. Et c'est quand même quelque chose, tu attaches une importance particulière à la qualité de ta piste. Je crois que c'est la seule chose qui est ici. Je pense que la meilleure chose du centre d'entraînement que je loue, je pense que c'est la seule chose qui est intéressante. Parce qu'après les box c'est très bien, mais rien de fonctionnel. Donc, mais la piste en elle-même, aujourd'hui, si tu n'as pas de piste, les deux pistes que j'ai, si je ne les ai pas aujourd'hui, je pense que j'aurais pas de résultat comme ça. Voilà. Christopher, t'es le seul entraîneur que je connaisse qui a un autostar qui est à côté du cheval. Non, mais ça c'est quand je veux passer vite, il klaxonne. Non, c'est parce que on n'a pas le temps de se voir dans la cour, donc il vient me voir à la piste. Oh, puis pour qu'il échoue, il vous apprend à voir autre chose aussi. Et on fait autostar aussi avec la voiture là. Ça nous arrive. À l'époque, on avait Coureurs de Calandre, qui courait autostar pour la première fois, il a créé une échelle pour mettre derrière le C15, qui est encore garé, qui est encore rangé dans le garage. Donc non. Et des fois, rien que de voir une voiture, les suivre derrière sa voiture, ça va. Hein, les choux, ils ont vu autre chose et c'est important. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 80. Stuck in her daydream. Been this way since 18. But lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight, 'cause in the pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man.
it's too cold outside for angels to fly. Christopher, on est sur ta ligne droite, elle est arrivée après coup cette ligne droite ? Elle est arrivée après coup parce que c'était c'est un chemin communal en fin de compte qui était tout le temps en terre sur 600 mètres. Et j'avais acheté une herse rotative à un agriculteur, puis je m'amusais à défoncer la terre, donc travailler sur la terre battue. Et un jour, malheureusement, les tracteurs ils vont dessus, tu peux pas interdire les tracteurs. Et le problème de la terre, c'est que tu peux pas aller tout le temps dessus. Puis la région où on est, nous, c'est souvent plus humide qu'autre chose. Donc après, j'ai demandé l'autorisation au maire, que le monsieur Ougelou qui s'en occupait. Et on a loué, on a l'autorisation de pouvoir l'aménager du haut en bas. Donc là, on a 1100 mètres de ligne droite, chemin communal. Donc l'après-midi, tu as des tracteurs dessus ou des gens qui font le guignol, ça, tu peux pas les interdire. Mais le matin, comme là tu vois maintenant, jusqu'à midi, il n'y a personne qui va venir dessus. Et c'est un super outil de travail parce qu'en plus, elle est sur un. Là, on va à la partie descendante, mais en fin de compte, elle est sur un faux plat en montant qui est normal et en même temps qui permet à juger un cheval d'après mes copains, que je me renseigne un petit peu à droite à gauche. Je pense que j'ai un bon outil de travail aussi. Ouais, ça a vraiment l'air. Non, c'est pas mal. Superbe sol aussi. Ouais. En bas, un petit peu plus dur, mais là, c'est la période, faut pas mentir, c'est la période nous. Dans le nord, et on recharge novembre-décembre, c'est là où on recharge pour que le mâchefer pour l'année prochaine reprend sa place. Voilà, donc on va recharger là, on va recharger les deux lignes, les deux pistes à outrance. Not sure I understand. Not sure.